Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai. Nous ne nous sommes pas vus ou entendus depuis mardi dernier car il y avait un long week-end de jours où on fête quelque chose de particulier en France et où du coup il n'y a pas le travail le jeudi et le vendredi c'était le pont. Donc, nous ne nous sommes pas vus. Prenez vos calendriers, mettez sur pause si jamais vous n'avez pas encore pris vos calendriers. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le, regardez, mois de mai, mardi 19. Et cela faisait 65 jours que nous étions rentrés en confinement. Et donc, nous avions quitté l'école normalement. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le lundi. Donc, nous sommes ici. Il va falloir surligner tous ces jours et compter combien en plus, sachant que celui-là, c'était 65. Donc, il va falloir compter en plus pour me dire ce que c'est celui-là. Allez-y. Donc, vous surlignez et vous comptez. Mettez sur pause car je vais vous donner la réponse. Donc, ça fait 65, c'était le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 65 plus 6. 65 plus 6. Est-ce que je vais remplir une boîte de Pic-Bir en plus? Regardez, j'ai 60 et là j'ai 5 et 6. Est-ce que 5 et 6, je remplis une boîte de Pic-Bir? Eh bien oui, puisque 6, c'est 5 plus 1. Donc je vais changer de nombre de dizaines, puisque je vais avoir une boîte de 10 en plus. Je vais passer de 6 à 7. Et là, 5 et 5, ça fait 10, plus 1 du 6, ça fait 11, 71. Donc, vous allez mettre sur pause et prendre chaque jour compte. Et vous allez me faire toute cette fiche en entière avec la tirelire et les petites pièces de monnaie que j'ai vous ai données. Allez, je mets sur pause et vous aussi. Voilà. Donc, 70 plus 1 ou 60 plus 11. Et on ne dit pas 71 avec le tiré. On dit 60 et ET 11. Il finit par 1. Donc, comme tous ceux qui finissent par 1, 3, 5, 7, 9, c'est un nombre impair. Nous sommes le 25 de janvier, février, mars, avril, mai, cinquième mois. Ici, 71, ça se situe entre 70 et 80. Donc, entre 70 et 80. Ça se situe juste 1 après 70. Donc, celui d'avant, c'est 70. Celui d'après, c'est 72. La manière la plus courte, c'est de prendre un billet de 50 plus 20, ça fait 70 et une pièce de 1 euro. Maintenant, si vous voulez prendre que des billets de 10, il en faudra 7 plus une pièce de 1 euro. Voilà. Donc, ça, vous effacez, vous rangez. N'oubliez pas de ranger toutes vos affaires de maths dans la même pochette ou dans la même enveloppe. Voilà. Alors, ensuite, je vous avais demandé de terminer Chronomat pour ce grand week-end. Donc, j'ai mis sur le blog, sur Internet, les corrections. J'aimerais bien qu'avec vos parents, vous preniez la correction et vous vérifiez calcul par calcul si vous ne vous êtes pas trompé. Et si vous vous êtes trompé, vous essayez de comprendre votre erreur. Voilà, donc il y a le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hein, à corriger. Donc, je vais vous demander de le faire. Si ce n'est pas maintenant, ce sera après la vidéo. Mais il faut le faire. Voilà. Alors, ensuite, vous aviez aussi en devoir le mémo Pic-Bir, page 8. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé sur le blog, c'est-à-dire le site internet que j'ai dédié spécialement à notre classe, j'avais noté que pour le week-end, je vous demandais plusieurs choses, dont la page 8
à lire et à savoir par cœur tout ce qu'il fallait savoir. Donc déjà, 25, c'est 10 plus 10 plus 5, puisqu'il y a 2 dizaines, donc 10 et 10, et 5. 36, 10, 10, 10, puisqu'il y a 3 dizaines. Et il fallait apprendre à les écrire. Apprendre les doubler les moitiés et revoir le crocodile qui croque toujours le plus grand. Donc, on va voir, enfin, je ne vais pas pouvoir le voir malheureusement, mais on va, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien appris et si vous n'avez pas bien appris. Donc, je vais vous demander de m'écrire d'abord en chiffres sur le bord de l'ardoise, les uns sous les autres. 69, allez-y, 69 sur le bord à gauche. Juste en dessous, 70. En dessous, 60 et 11. En dessous, 72. En dessous, 73. Vous le faites comme ça. On tourne toujours à gauche. On continue. 74. 75. 76. 77. 78, moi j'ai plus de place, on va s'arrêter là. Donc, on va écrire en lettres. Donc vous allez mettre sur pause, vous allez l'écrire sur votre ardoise. Vous essayez de ne pas prendre de modèle ni sur Memo Pigbee, ni sur la planche des nombres. Et après, je vous donne la correction, bien qu'elle soit sur Memo Pigbee et sur la planche des nombres. Donc je mets sur pause et vous aussi, c'est parti. Alors, petite correction intermédiaire, 69, 60, ça s'écrit toujours pareil, c'est comme le 6 et le 0, avec le 7, c'est toujours le 60, mais sauf qu'on ajoute 10, puis 11. Donc, si vous savez écrire 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 60, ben, vous savez tous les écrire. Donc, normalement, jusqu'à 19, on avait appris, on a appris après 30, 40, 60, 50, 60. Donc après, c'est les mêmes mots mis ensemble. Donc si vous ne savez pas cela, ça veut dire que vous n'aviez déjà pas appris les autres. Donc il faut absolument les savoir. Donc si vous ne le savez pas, vous vous entraînez à les écrire plein de fois, cet après-midi, demain, tout le temps, jusqu'à ce que ça rentre. Une fois que c'est rentré, ça ne change pas. Vous le savez pour toute la vie. Allez, je continue. Alors, nous avons ici donc 60, toujours le même 60. Donc, si vous êtes trompé une fois, vous gommez tout, vous refaites un. C'est toujours le même avec un X et un E. Les tirés d'union, sauf à 60 et 11. Les autres, 70, on ne dit pas le E. 72, on dit 60 et 12. 60 plus 12. 60 et 11, on met le EET. 11. Et là, on reprend les traits d'union. Donc, mettez sur pause si vous voulez. 74 avec le trait, on n'oublie pas. Et les E, toujours avec des Z. 75, 77, 78, 76 avec un Z. Le 13, le 12, toujours pareil, le 11. Ils ont tous un Z. Voilà. Et pas un S. Alors, donc si vous avez fait tout faux, vous recommencez. Et vous allez chercher la correction dans Pigbee, page 8 du mémo. Voilà. Alors, à présent, vous allez me donner l'autre chose qu'il y avait à apprendre sur le mémo. C'est tous les doubles de 1 jusqu'à 10. Donc, 1 plus 1, allez, on le récite, on ne l'écrit pas. 1 plus 1 égale 2. À vous. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 6. Dites-le avant moi. 4 plus 4 égale 8. 5 plus 5 égale 10. 6 plus 6 égale 12. 7 plus 7 égale 14. 8 plus 8 égale 16. 9 plus 9 égale 18. 10 plus 10 égale 20. Vous allez mettre sur pause et le redire encore une fois et l'écrire sur votre ardoise. Allez-y, mettez sur pause et vous l'écrivez. Donc,
normalement, vous avez redit 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6, etc. jusqu'à 10 plus 10 égale 20. Et vous l'avez écrit sur votre ardoise. Donc, maintenant, je vais vous demander la moitié de 16. Ça veut dire qu'il faut chercher le double qui a donné 16. Qu'est-ce que c'est qui a donné 16? Et vous trouverez la moitié. Donc, 16, si je le partage en deux, par exemple, paquet de bonbons, combien j'en aurai dans chaque paquet? Donc, on doit le savoir par cœur. Maintenant, je peux y dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, je compte. Et j'en ai 8. Et 8. Donc, la moitié de 16, c'est 8. On continue. La moitié de 10, facile. Si je partage 10, la moitié, c'est... Allez-y, écrivez sur l'ardoise. La moitié de 10, eh bien c'est 5. 5 et 5. La moitié de 2. Si je coupe 2 en 2, qu'est-ce que j'ai de chaque côté? 1, 1, 1, c'est 1. La moitié, là je vous en fais un dur, de 18. 18, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est là que vous devez le savoir par cœur, par cœur, par cœur. La moitié de 18, c'est 9. Voilà, donc ça, il faut vous entraîner avec vos parents à dire les moitiés de 2 jusqu'à 20. Ensuite, maintenant, vous allez m'écrire... plus 6. Écrivez-le. 37 plus 6 égale. Et ma question, avant de vous demander le résultat, c'est est-ce que il va y avoir un nouveau groupe de 10 avec les deux unités? Est-ce que 7 et 10, j'ai une nouvelle boîte pique-bille? Ben oui, puisque déjà à 3, j'ai une nouvelle boîte. Donc 7 plus 6, c'est plus que 3. Donc, je vais avoir une nouvelle boîte pique-bille. Donc, je sais que là, les 3 dizaines, elles vont en gagner une avec ça. Parce que ça, ça fait combien? Ça fait 13. Donc, une dizaine qui va se rajouter à la dizaine qu'on avait déjà et les unités qui me restent. Donc, ça nous fait 43. Donc, la question, c'est toujours... Est-ce qu'avec les unités que j'ai, je vais avoir de nouveaux paquets de 10, de boîtes de pique-billes ou de dizaines? Alors, on y va. On va faire 13 plus 7. Allez-y, écrivez-le. 13 plus 7 égale. Maintenant, vous cherchez à savoir si vous avez une nouvelle boîte pique-billes et si... Du coup, vous avez une nouvelle dizaine. Allez-y, donnez-moi la réponse. Mettez sur pause parce que je vais la donner. Si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore donné le résultat. Alors, regardez. Moi, 7 plus 3, ça fait 10. Donc, c'est pile ces deux unités, une boîte pique-bille en plus de 10, plus les 10 qu'il y a là, ça va faire 20. Si vous avez trouvé ça, c'est très bien. On s'en fait encore un comme ça, c'est le 24 plus 8. Écrivez-le, 24 plus 8 égale. La question est, les unités là, c'est ici, les unités ici, c'est ici. Ça, c'est des dizaines, là, il n'y en a pas, donc j'en additionne pas. Est-ce que 8 plus 4 billes, ça va me faire plus que 10 billes? Allez-y, donnez-moi le résultat. Je vais donner la réponse, donc mettez sur pause si vous n'avez pas fini. 8 plus 4, ça fait 12. Donc 12, c'est 10 plus 2, donc c'est une boîte pique-bille. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et j'ai dit 12, donc 12, c'est 10.
et 2. Donc ça va faire 32. Vous pouvez dessiner aussi. Là, regardez, le 24, c'était ceci. 2 boîtes et 4. Le 8, c'était ceci. Je vois bien que je peux faire une boîte Pigby avec le 8 plus 2. Parce que regardez, 8, combien il me manque pour faire 10? 2. Et là, il m'en reste 2. Donc, j'avais 10 de plus et 2. Et bien, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Une boîte, deux boîtes, trois boîtes de 10 et 2 billes, 2 unités. Voilà. Alors, maintenant, vous allez écrire. Écoutez bien. Vous êtes prêts? 10 plus. 10 plus. Encore 10 plus. 3. Je répète. 10 plus 10 plus 10 plus 3. Combien ça fait? Attention, là c'est facile, il faut aller vite. Cela fait 33. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vous dis 45 égale. Et vous me l'écrivez comme ça. Combien de 10 et à la fin combien? Allez-y. Je le fais en même temps que vous. 45, c'est 10 plus. Alors, allez-y. Mettez sur pause si vous n'avez pas fini. Et remettez sur lecture pour lire la suite. Et voilà, combien j'ai de paquets de 10? J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai mis 5. Je me suis trompée. Il n'y en a qu'un, 2, 3, 4. 4 paquets de 10 plus 5. Voilà. Alors, à présent, dans la séquence d'avant, nous avions fait la maison du 10, du 11, du 12, du 13. Donc là, aujourd'hui, ensemble, on va faire la maison du 10. Qu'est-ce que la maison du 10? On l'avait déjà fait en début d'année ensemble. C'est toutes les manières de trouver 10 en faisant plus. On va d'abord faire la maison du 10 avec un seul plus. Voilà. Donc, trouvez-moi plein de manières de faire 10 avec un seul plus. Alors, moi, je vais agrandir ma maison parce que j'en ai plein de manières. D'accord? Donc, je mets sur pause, je le fais, vous aussi. C'est parti. Voilà. Donc, regardez, je pars de 0 et je dis 0 plus 10 égale 10. Puis, 9 plus 1 égale 10. 8 plus 2 égale 10. 7 plus 3 égale 10. 6 plus 4 égale 10. 5 plus 5 égale 10. 4 plus 6 égale 10. Et etc. Prenez la correction sur mon ardoise. Allez-y, mettez sur pause si c'est nécessaire. On va faire maintenant la maison du 11. Donc, je vais la faire plus grande, ma maison. Je vous conseille de faire pareil que moi. Voilà, regardez, elle fait toute mon ardoise, la maison du 11. Toutes les manières de trouver 11 en faisant quelque chose plus quelque chose égal. Alors, vous n'êtes pas obligé de me les trouver toutes les manières, mais j'aimerais bien que vous m'en trouviez plein. Donc, allez-y, vous commencez. Je vous montre comment je présente. Voilà. Allez, trouvez-moi plein de manières de faire 11. Donc, moi, je pars toujours de 0. Après, je fais 1. Après, je fais 2. Après, je fais 3. Quatre, cinq, six, sept plus
ça fait 11. 8 plus, ça fait 11. 9 plus, ça fait 11. Et 10 plus, ça fait 11. Voilà ma maison du 11. Vous pouvez corriger, mettez sur pause pour vous corriger. Alors, en devoir pour demain, j'aimerais que vous me fassiez la maison du 12 et du 13 et du 14. Ok, 12, 13, 14, les maisons sur le cahier de brouillon. Voilà. Alors, à présent, vous allez prendre votre fichier PicBille, la séquence 96 qui s'écrit 9 et 6 et 97 qui s'écrit 9 et 7. Allez-y, mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt. Je vais vous expliquer ces séquences. Mais avant, on va remplir les petits cercles d'en haut, les deux. On va commencer par celui-là et après on passera à la page d'à côté. Donc dans le cercle violet, vous allez m'écrire ce que ça fait que 3 paquets de 2. Alors dessinez-les et mettez sur pause si vous avez besoin. Mais normalement, dans le mémo PicBille, je vous ai demandé de l'apprendre par cœur. 3 paquets de 2. D'ailleurs, je vous avais conseillé de mettre la fiche dans une pochette plastique des paquets. Dans le cercle vert, on va mettre le résultat de 4 paquets de 5 ou 4 équipes de 5. 4 équipes de 5. Donc, ça fait 5 et encore 5 et encore 5 et encore 5. Dans le rouge, nous allons mettre 6 équipes de 10. Équipes de 10, donc 10 et encore 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 10. Dans le bleu, nous allons mettre 5 paquets de 2 biscuits ou 5 équipes de 2 joueurs. 5 équipes de 2. Alors, quand c'est comme ça, il suffit de compter de 2 en 2 ou de 10 en 10. 5 équipes de 2, ça fait 2, 4, 6, 8. De 10 en 10, 6 équipes de 10, ça fait 10, 20. Et j'ai fait 6 équipes de 10. 4 équipes de 5, ça fait 5, 10. Il faut compter de 5 en 5, de 10 en 10. Et donc maintenant, je fais 3 équipes de 5. Combien ça fait dans le cercle rose? 3 équipes de 5 dans le cercle rose. Voilà, donc nous y allons, on corrige. Alors quand vous corrigez, il ne faut pas gommer ce que vous aviez mis dans le cercle. Vous le barrez, vous réécrivez au-dessus. Comme ça, on voit que vous étiez trompé. Ça permet de comprendre où sont vos difficultés et de retravailler ça, de vous le réexpliquer. 3 équipes de 2, ça fait 2, 4, 6. 3 équipes de 2, 2, 4, 6. Une équipe de 2, encore 2, encore 2. 4 équipes de 5. 5, 10, 15, 20. 4 équipes de 5. 6 équipes de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 équipes de 10, ça fait 60. 2 équipes de 5, 5, 10. 3 équipes de 2, 2, non. 3 équipes de 5, 5, 10, 15. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire les cercles de la page d'à côté du 97. Donc, prenez-le et on va commencer toujours par le cercle violet. Dans le cercle violet, on va faire 37 plus 20. Vous pouvez l'écrire en petit au-dessus comme moi. 37 plus 20. Là, c'est facile. Le 20, il n'a que des dizaines. Donc, vous regardez les dizaines dans 37. Les dizaines sont là.
Lui, il en a combien? 2. Et on en remet 2. Donc, il suffit de faire 3 dizaines plus 2. 3 et 2, ça fait 5. Et les unités, là, il n'y en a pas. Et là, du coup, elles ne changent pas. Ça fait 57. Donc, celui-là, je vous l'ai dit. Maintenant, on va faire que des comme ça. Donc, à vous de réfléchir. Vous, si on additionne un nombre qui termine par 0 unité, on ne va additionner que des paquets de 10 au paquet de 10 du début. Donc, dans le cercle vert, 25 plus 10. Donc, je répète, vous pouvez l'écrire au-dessus du cercle en petit. 25 plus 10. Le cercle rouge, 40 plus 30. Le cercle rouge, 40 plus 30. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause. Le cercle bleu, 18 plus 20. Là, je vais trop vite, hein, mais vous, vous pouvez mettre sur pause. Moi, c'est pas la peine que j'y passe 10 minutes alors que je ne vois pas ce que vous faites. 18 plus 20. Dans le rouge, dans le bleu. Mettez sur pause pour prendre le temps. Dans le dernier, le rose, on a 20 plus 40. Voilà, je vais donner la correction. 25 plus 10, ça faisait 35, puisque 25 a 2 dizaines et 10, ça fait encore une. Donc 30 et 5, ça ne change pas. 40 plus 30, 4 et 3, ça fait 7, ça fait 70. 18 plus 20, eh bien 2 à la dizaine de 18 et 1, ça fait 3. Et le 8 avec le 0, il ne change pas. 38. Et 20 plus 40, c'est 2 dizaines plus 4 dizaines. 2 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 60. Ça fait 6 dizaines. Voilà. Donc, corrigez-vous. Alors, je vais expliquer à présent le fichier. Le fichier, ça commence par des solides. Des solides, c'est des objets qui ne sont pas plats. Par exemple, une feuille, c'est plat, ce n'est pas un solide. Un stylo, ce n'est pas plat, c'est épais, c'est un solide. Voilà. Donc, dans les solides, on vous en a donné de formes différentes. Et chacun, par exemple celui-là, c'est comme une boîte d'éponge d'ardoise, par exemple, ou un tupperware. Celui-là, alors, non, celui-là, c'est comme un ballon, mais ça, je ne vous en dis pas plus, parce qu'en fait, chaque solide, il va falloir le relier à son objet qui lui correspond. Donc, celui-là, on ne le voit pas, mais il a la forme d'un ballon, si on pouvait voir en trois dimensions. Vous reliez chaque solide à l'objet que vous connaissez qui a la même forme. Et ensuite, vous pouvez prendre ces objets si vous les avez chez vous et regarder pour voir s'ils roulent. Ceux qui roulent. Lisez les enfants. Ceux qui roulent. Donc, ils ont une lettre. Donc, ceux qui roulent, vous mettez la lettre là. Par exemple, là, on a dit ben, le ballon, c'est lui. Le A, il roule. Après, il y a ceux qui glissent sur la table. Il y en a certains qui glisseront. Lui, par exemple, il va rouler. Regardez. Hop, il a roulé sur mon ardoise. Je le mets là et hop, il a roulé. Maintenant, si je prends mon téléphone, il va glisser. Il n'a pas roulé, il a glissé. Donc, il y a ceux qui glissent. Et certains, ils vont glisser et rouler en fonction de leur forme. Donc, par exemple, ça, si je l'avais mis comme ça, sauf que ça ne va pas le faire. Lui, je peux le faire glisser aussi. Je peux le faire rouler et glisser. Voilà.
mon téléphone, je ne peux pas le faire rouler. Dans tous les cas, n'importe où, il va glisser. Donc, vous mettez leurs petites lettres qui leur correspondent. Soit ils glissent et ils roulent, soit seulement glissent, seulement roulent. Par exemple, un ballon, il ne glisse pas, il ne fait que rouler. Ensuite, nous avons ici, calcule en choisissant l'une des méthodes de Picbill. Si tu n'es pas sûr, dessine. Donc, il y a plusieurs méthodes. Soit Picbill, il cherche combien il y a de boîtes là-dedans, combien il y a de boîtes là-dedans, combien il y a de billes, il réunit les boîtes et les billes ensemble. Soit il part de celui-là, il lui rajoute d'abord la boîte de 10, puis ensuite la bille. C'est à vous de voir. Et vous avez les deux méthodes de Picbill, juste dans celle d'avant, elles sont ici. Ça, c'était les deux méthodes, c'est la 95. Voilà. Ici, toujours pareil, et on prend le repère que la fin d'une boîte, c'est 10, 20, et on ne recompte pas de début. Ici, encore une fois, nous avons d'un côté l'écureuil qui va barrer des noisettes, mais en les ayant rangées n'importe comment, et Picbill qui va bien les ranger comme dans une boîte et qui va barrer pour trouver. Donc, vous mettez la réponse. Et là, vous allez dessiner comme Picbill. Donc là, vous avez 11, vous dessinez 11 comme Picbill. Vous barrez les dernières, 4, et vous trouvez. Et là, pareil. Évidemment, si vous y arrivez sans dessiner, c'est bien aussi. Ici, c'est ce qu'on a fait sur l'ardoise. Je me demande, est-ce que je vais avoir une nouvelle boîte de 10 ou pas? Donc, est-ce que le 4 dizaines va changer ou pas? Voilà. Donc, je vous dis bon travail et à demain. Au revoir les enfants.